La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps Vivre bien, vivre mieux vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Le démon de la vie, c'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Laurence Desbordes du magazine Notre Temps. Bonjour Laurence. Bonjour Zelda. C'est une rencontre avec deux adolescents très amoureux. C'est ça, ils ont 13-14 ans, ils sont vraiment très très amoureux. Et c'est l'histoire d'un éveil à la sexualité, mais aussi au passage de l'âge adulte. Parce que ces deux adolescents, Luc et Louise, ils sont effectivement très amoureux, mais il se trouve que leurs parents, qui sont amis, sont aussi très amoureux. C'est-à-dire, la maman de Luc est très amoureuse du père de Louise. Et les enfants découvrent ça. Et ils voient les ébats amoureux de leurs propres parents, ce qui est véritablement un choc pour eux. Et ça remet en question, bien évidemment, les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Et à côté de ça, en parallèle, dans ce village qui est à l'orée de la forêt des morts, vit un vieux comte un peu lubrique qui a dans son parc un tigre. Et ce tigre s'échappe à cause de l'une des maîtresses de ce comte. Donc c'est la fureur de vivre de ce tigre en parallèle avec cette fureur de vivre de ces deux enfants qui se retrouveront plus tard. En tout cas, je suis complètement ébahie. Ça donne en tout cas vraiment envie de lire donc un roman de Patrick Grainville. Merci beaucoup, Laurence. Si vous aussi avez envie de découvrir peut-être ce qu'est le démon de la vie et comment, en tout cas, cet auteur l'aborde, ce livre définitivement pour vous. Marc Page, c'est terminé pour l'instant. Mais nous reviendrons très vite vous raconter d'autres histoires parce que, je vous le répète très souvent, le livre, c'est la vie. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Notre Temps Vivre bien, vivre mieux vous ont présenté Marc Page.